Bonjour, maison de rêve. Bonjour, Barbie. Comment ça va? C'est une belle journée et on va faire de la magie ensemble. Le soleil brille sur notre maison et comme par magie, un toboggan arc-en-ciel surgit. Oh, wow! Et c'est l'effervescence partout, car tout est possible chez nous. Créons à nouveau tout ce qu'il nous faut, c'est de l'imagination. Trouvons de nouveaux jeux, c'est si merveilleux. Tout ce qu'il faut faire, c'est chanter. Bonjour maison de rêve, la 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 la. Tu es comme un rêve un peu fou dans ma maison de rêve, la 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 la. Il y a de la magie partout. Oh, wow. Si tu en as rêvé, tu peux réaliser. Laisse-toi porter par ton imaginaire dans ma maison. Et ça me ravit. C'est un ballet de couleurs qui brille. Regarde les couleurs briller. Et c'est l'effervescence partout, oui. Car tout est possible chez nous, oui. Créons à nouveau tout ce qu'il nous faut. C'est de l'imagination. Trouvons de nouveaux jeux, c'est si merveilleux. Tout ce qu'il faut faire, c'est chanter. Bonjour maison. Oh wow! Le soleil brille, le soleil brille. Oui, chante avec moi. Bonjour Malibu. Bonjour Chelsea. Bonjour maison de rêve. Bonjour Barbie. Deux chocolats chauds s'il te plaît. Tout de suite Barbie. Je savais pas qu'elle pouvait faire ça. Avec la nouvelle appli intelligente, la maison de rêve peut exaucer presque tous nos vœux. Tous nos vœux? Bonjour, maison de rêve. Oui, Chelsea. Tu peux m'aider à organiser une super belle fête demain? Oui, avec joie. Je me ferai un plaisir de t'aider. Attends. Tu as parlé d'une fête? Pourquoi organiser une fête? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à célébrer demain? C'est mon anniversaire! C'est mon anniversaire! C'est mon anniversaire! C'est mon anniversaire! Oui! Vraiment? Tu en es sûre? Moi, j'étais convaincue que c'était la semaine prochaine. Eh ben non! Bonjour, maison de rêve. C'est quand mon anniversaire? Mon calendrier m'indique que demain est bien le jour de ton anniversaire. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, oui! C'est mon anniversaire. Oh, attends. Toi, tu mijotes quelque chose, je me trompe. Je ne vois pas du tout ce que tu insinues. En effet, tu te trompes, Chelsea, parce que je ne mijote absolument rien. C'est vrai, pourquoi est-ce que je te ferai des mystères? Oh, quelle frayeur. Bonjour, maison de rêve. Montre-moi qui est à la porte, s'il te plaît. Brooklyn, Teresa et René. Oh, vite, cachons-nous. Pourquoi est-ce qu'on doit se cacher? Tu vas voir, j'ai eu une idée. C'est bizarre. Malibu nous a bien dit de venir chez elle, non? Oui, c'est dans mon agenda. Prête pour la soirée? Pyjama.
J'adore, c'est trop beau. Un kaléidoscope de papillons. C'est comme ça qu'on appelle un groupe de papillons. Un kaléidoscope. Oh, c'est magnifique. Toutes ces couleurs, c'est tellement beau. Coucou. Vous auriez dû voir vos têtes. Vous avez fait... Oui, vous m'avez bien eu sur ce coup-là. Tu vas nous le payer. Viens par ici. Fais attention, on arrive. Oh, merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. Mais tous ces papillons, où sont-ils passés? Et d'où viennent-ils? Explique-moi. C'est un des tours de magie de la nouvelle maison de rêve. On va t'attraper. Bonjour, maison de rêve. Activation de l'échiquier. Pas si vite. Est-ce que Chelsea se doute de quelque chose? Que vous êtes venues toutes les trois ici pour m'aider à organiser la plus fabuleuse des fêtes d'anniversaire surprise au monde? Non, elle n'a pas la moindre idée de ce qui l'attend demain. Elle croit que si vous êtes là, c'est pour passer une simple soirée pyjama. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Je sais qu'elle voudrait un gâteau avec un glaçage blanc et rose. Et j'ai pris plusieurs décorations. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose. Oh non, je parviens pas à m'en rappeler. On va retrouver ce que c'est ensemble. Que quelqu'un l'arrête! Mais comment elle fait pour courir si vite? Bonjour, maison de rêve. Activation toboggan. Oh, et la piscine à balles. Très bien. Cette nouvelle appli de la maison de rêve est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Bonjour, maison de rêve. On peut monter? Quoi? C'est trop fort. C'est le moment d'aller dormir. Chelsea, finis de te brosser les dents enfin. Et au-dessus de l'évier. J'ai absolument pas sommeil. Je m'amuse tellement avec vous. Eh bien, tu vois, tu es épuisée, Chelsea. Puis réfléchis. Plus vite tu iras dormir, plus vite ce sera ton anniversaire. Tu as raison. Peut-être que je suis fatiguée tout compte fait. Est-ce qu'on peut lire une petite histoire? C'est une super idée. Quel genre d'histoire te ferait plaisir? Je sais pas trop. Et si on en inventait une? Toutes ensemble. Oh, j'adore cette idée. Oui, c'est génial. Oui. Bien, Chelsea. Et si tu commençais? D'accord. Il était une fois deux jolies petites sirènes. Et si on demandait à la maison de rêve de donner vie à notre histoire? Bonjour, maison de rêve. J'ai déjà tout prévu, Barbie. Et elles avaient des animaux de compagnie. Des tortues. Non, des pouleuvres. Je crois que tu as mélangé deux mots. On dit pieuvre ou poulpe, mais pas pouleuvre. Vraiment? J'étais sûre que c'était des pouleuvres. C'est mignon comme tout. D'accord, donc elles avaient chacune une pieuvre. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Pourquoi pas des dauphins? Oui. Il
Ils adoreraient faire des acrobaties dans les vagues et explorer la barrière de corail pour y découvrir des nouvelles espèces d'animaux marins. Oh, et ils adoreraient les soirées dansantes. Oui, et danser le ballet, j'adore. Enfin, les sirènes adorent le ballet. Parce que c'est très gracieux et que ça demande énormément d'entraînement. Un jour, elles étaient tellement prises par leur danse qu'elles n'avaient pas remarqué que le gros dragon de l'océan était juste derrière elles. Le dragon de l'océan. Il portait un joli collier de perles. Il s'excusa d'avoir effrayé les sirènes. Il leur expliqua qu'il se sentait seul et les invita à boire un thé. Les sirènes ont alors pris un thé avec le gentil dragon de l'océan. Et c'est comme ça que tous les trois sont devenus les meilleurs amis. Fin de l'histoire. C'est la meilleure histoire du monde. Et super imaginative. Et super amusante. Et si magique. Merci beaucoup. Il est temps de te coucher. D'accord. Bonne nuit, Chelsea. Bonne nuit, tout le monde. Elle s'est endormie. Ce n'est pas trop tôt. Alors, qu'est-ce que tu prévois d'organiser pour la fête surprise de demain? Je voudrais que Chelsea ait la plus grande et la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. Un anniversaire si spécial que... qu'on ne puisse pas appeler ça un anniversaire. Alors, ce serait quoi? Une journée de rêve. Oui, appelons cette fête la journée de rêve. C'est validé, j'adore. Super, mais comment on va s'y prendre? J'ai déjà fait une liste de toutes les choses qu'on doit faire. Mais... je pense qu'il manque quelque chose. Une chose qui rendrait cette journée vraiment magique. Il nous faut un thème. Ce serait pas une véritable journée de rêve sans thème, pas vrai? T'as raison. Oui, réfléchissons à un thème parfait pour notre fête. Vous avez des idées? Désolée, Barbie, mais selon mon horloge, c'est l'heure d'aller dormir. Oh, d'accord. Vous avez entendu son histoire. Elle adore tout ce qui a un rapport avec la danse. Et si on faisait une fête sur le thème du ballet? Bonjour, maison de rêve. Salut, Barbie. On y va, on se brosse les dents, mets ton pyjama, au lit il est temps, tout est fin prêt, pour nous ici, c'est l'heure des beaux rêves, c'est l'heure d'aller au lit. Ta veilleuse brille dans la nuit, et allume nos rêves qui prennent vie. Nous allons sauter dans nos lits et chanter ensemble, c'est le rituel du coucher, eh, eh, yeah, qui a commencé. Sommeil. Place au rêve. Chelsea, tout comme moi, est une petite fille qui déborde d'imagination. Vous vous souvenez du dragon? Et si on se réunissait autour d'un thé pour avoir des discussions passionnantes sur l'art? Teresa, je crois que tu oublies que l'histoire se déroulait dans les profondeurs de l'océan. Oh, on devrait transformer la piscine en un bord de mer paradisiaque. J'adore toutes ces idées. Mais n'oublions pas nos amis les dauphins. Chelsea adore les animaux. Oh! L'histoire du coucher et cette routine. Dix maisons de rêve, pourrais-tu lui donner vie? C'est parti! L'imaginaire de ce récit nous entraîne vers le rêve et vers notre lit. Ta veilleuse brille dans la nuit et allume nos rêves qui prennent vie. Nous allons sauter dans nos lits et chanter ensemble. C'est le rituel du coucher. Ça, ça, ça. Oh, 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 c'est le
aller dedans. Chante avec moi maintenant. C'est le rituel du coucher, eh, eh, yeah, qui a commencé, eh, eh, yeah. Faut se préparer, eh, eh, yeah. Alors on chante, alors on chante. Oh, 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 oh. C'est le rituel du coucher. Fais de beaux rêves. Alors, quel thème on devrait choisir? Je les trouve tous vraiment super. Oh. On n'a qu'à tous les garder. Oh. Mmh. On se voit plus tard pour... Ne fais pas attendre Monsieur et Madame Roberts plus longtemps. Amuse-toi bien à ton entraînement de foot. D'accord, c'est juste que... À plus tard, on t'adore. Oh, au revoir, Chelsea. Salut. Au revoir. À plus tard. D'accord. Pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail. Brooklyn, tu t'occupes du salon. À tes ordres. Teresa s'occupe de la salle à manger. Et René, je vais transformer la piscine en un endroit absolument magique. Vous êtes toutes magiques. Merci beaucoup. Bonjour, maison de rêve. Et si on se mettait au travail? Bonjour, Barbie. Comment puis-je t'aider? On doit transformer ce salon en une salle de danse, d'accord? Waouh. Wow. Voilà. Il nous faut des miroirs. Transforme ces fenêtres. Oh, j'adore. Merci, Barbie. Maintenant, il me faut une autre tenue. Parfait. Bonjour, maison de rêve. On a besoin d'un service à thé. Bien sûr, Barbie. Et sur les tables, je voudrais un délicieux assortiment de sandwichs végétariens, de cupcakes et de tartes aux fruits. Pas de problème. C'est tellement charmant. Bonjour, maison de rêve. Tu pourrais faire apparaître des bouées dans la piscine? Parfait. Ok, maintenant il nous faut des parasols ici et là-bas. Et des chaises longues. Oh, incroyable! Oh, et que dis-tu d'un filet de volley-ball juste là? Oh, merci, maison de rêve! C'est tellement amusant! Bonjour, maison de rêve. Puis-je avoir des chiots, s'il te plaît? Bien sûr, Barbie! Oh, et aussi des chatons, s'il te plaît! Oh, merci, maison de rêve. Pas de problème. Je ne trouve pas ça assez original pour une véritable journée de rêve. Bonjour, maison de rêve. Maison de rêve? Comment puis-je t'aider, Barbie? On peut ajouter des lapins. Si tu en as rêvé. Attends une seconde. Barbie? Tu pourrais donner aux animaux des couleurs plus vives, s'il te plaît? Ah, parfait. Je dois te laisser, Barbie. René m'appelle. Merci, maison de rêve. Alors, allons voir comment les autres s'en sortent avec leur thème. Waouh, c'est parfait. T'en dis quoi? Oui, mais peut-être qu'on devrait ajouter une boule disco et des lumières. Bonjour, maison de rêve. Tu peux nous aider? Continue. Rends cet endroit magique. Comment ça se passe par ici? Super. Je fais une liste de tous les sujets que l'on pourrait aborder avec Chelsea. On pourrait commencer par contempler les étoiles et l'immensité de l'espace et de l'univers. Ou alors le monde merveilleux des moisissures. Oh, mais où ai-je la tête? Por supuesto, j'ai trouvé. Bonjour, maison de rêve. Quelles sont les différences et les similitudes entre les lamas et les alpagas? Eh bien, l'alpaga pèse en moyenne 70 kilos, tandis qu'un lama peut peser jusqu'à 180 kilos. Cependant, ils ont un cri d'alarme très similaire lorsqu'ils se sentent en danger. Leur cri ressemble à ça. D'accord, merci beaucoup, c'était très, très instructif. Et toi, Malibu, t'en penses quoi? De quoi? Des lamas?
étonnant de notre salon de thé. Oh, il est magnifique, mais il nous faut une pièce maîtresse. Bonjour, maison de rêve. On pourrait avoir un énorme gâteau juste ici, s'il te plaît. Plus grand. Encore plus grand. C'est parfait. Oh, est-ce que ce n'est pas fabuleux? Oui, c'est vrai. Mais ça pourrait être encore plus spectaculaire. Bonjour, maison de rêve. Ajoute des grands palmiers. Tout de suite, Barbie. Incroyable. Et un toboggan. Oh, d'accord, Barbie. Oui, avec plaisir. Oh. Alors là, c'est le paradis. Malibu, je crois que tu devrais faire une petite pause. Hors de question, pas le temps. Chelsea sera bientôt là. On doit voir plus grand. Bonjour, maison de rêve. Je veux des girafes, des zèbres et des lions. Des lions? Ok, mauvaise idée. Oublie les lions. Maison de rêve, tu peux oublier tous les grands animaux, par mesure de sécurité. Allez, maison de rêve, mettons-nous au travail. D'accord, Barbie. Je ferai de mon mieux pour vous suivre. Bonjour, maison de rêve, aurais-tu des licornes? Des palmiers roses. Des petites fées qui servent le thé. Bien sûr, Barbie, tout ce que tu veux. Maison de rêve, il nous manque des flamants roses. Des dauphins. Un arc-en-ciel. Pourrais-tu les faire briller? Des chiots violets, des lapins bleus, les plafonds seraient même étoilés. Un instant, les filles. Des sirènes qui s'éclaboussent, des projecteurs qui brillent. D'accord. Tout ce dont nous avons rêvé. Oui, bien sûr. Notre c'est encore moi. J'ai besoin de peluches, tu vois. Des chatons dans l'enclos, des chiots. Bien sûr, Barbie, pas de problème. Maison de rêve, on voudrait une boule disco. De la musique. Des lampes laser. Pour y jouer toutes nos chansons. Des tutus virevoltant, un glaçage alléchant sur un gâteau au perché. Voici Barbie. Des tranches de citron, des tasses à thé qui volent. Bien sûr. Tout ce dont nous avons rêvé. Absolument. Notre chose. Dis-moi tout. Et ça serait tellement bien. Je t'écoute, Barbie. Je me demandais si on pouvait ajouter un grand et touffu dragon violet avec une couronne de fleurs. Notre imagination crée d'autres horizons. Rêvons en plus grand, une journée éclatante. Nous rêvons en plus grand quand nous avoir un peu de mal à te suivre, là. Je détecte une erreur. Attendez, c'est de l'eau de la piscine. Où est passé mon thé à la pêche et au litchi? Teresa, je crois que j'ai compris ce qui est arrivé à ton délicieux thé. Oh non. Oh.
désolée, maison de rêve. Je me suis laissée emporter. Pourtant, tu as essayé de me prévenir. Hé, moi aussi, je me suis laissée emporter. Oh, j'aurais dû me rendre compte qu'on en demandait trop à la maison de rêve. La pauvre. Oh, on a exagéré, elle s'est complètement déréglée. Maintenant, la fête ne pourra pas avoir lieu et Chelsea va arriver d'une minute à l'autre. Ne cédons pas à la panique. Au fond, ce n'est pas si grave. D'accord, c'est plutôt mal parti, mais je suis sûre qu'on va assurer. Comme ma grand-mère V dit toujours, suivons le principe du APSAM. Au plus simple, au mieux. Mais j'aurais voulu que tout soit parfait. Oh, pas simple. Et j'aurais voulu éviter tout ça. Tu voulais que cette fête soit spéciale, pas parfaite. Les choses simples peuvent être spéciales. Je sais que ça partait d'une bonne intention, mais organiser 5 fêtes incroyables simultanément... C'était sans doute trop compliqué, c'est vrai. Tu as raison. Et j'ai fini par oublier pour qui on faisait tout ça. Chelsea. Il suffit de lui organiser une fête unique qu'elle n'est pas prête d'oublier. Exactement. Et nous pouvons tout à fait garder notre concept de journée de rêve, toutes ensemble. Mais au lieu d'une journée multifête, ce sera une journée de rêve en musique sur la plage à siroter un thé délicieux. Avec nos amis les animaux. Oui, si on travaille ensemble, alors tout est possible. On est une équipe soudée. J'aiderai la maison de rêve pendant que vous nettoyez. Toute notre équipe de rêve s'applique. On va ranger toutes ensemble. On est si fort toutes ensemble. Toute notre équipe de rêve s'applique. On va ranger toutes ensemble. On s'y met ensemble maintenant. On peut le faire. D'accord, je reconnais m'être un peu emportée. Heureusement que tu es là. Merci pour ton aide. C'est vrai qu'il est grand temps de nettoyer. Oui. Ça peut aller vite après tout. Quand on travaille ensemble, tout sera remis en place. Si on s'y met les amis, travaillons ensemble. Balayer et puis ranger. On a presque fini. Waouh, c'est super. Toute notre équipe de rêve s'applique. On va ranger toutes ensemble. On est si fort toutes ensemble. Toute notre équipe de rêve s'applique. On va ranger toutes ensemble. On s'y met ensemble maintenant. Vous êtes mes meilleurs amis. Allons-y. Établissons un plan. Un bon coup de main maintenant. La journée de rêve devient réalité. C'est étincelant. Un peu d'imagination et une bonne organisation. Ça peut aller vite après tout. Tout sera remis en place. Si on s'y met les amis, travaillons ensemble. Balayer et puis ranger. On a presque fini. Ça fonctionne. Toute notre équipe de rêve s'applique. On va ranger toutes ensemble. On est si fort toutes ensemble. Toute notre équipe de rêve s'applique. On va ranger toutes ensemble. On s'y met ensemble maintenant. Te voilà remise à neuf. Bonjour Barbie, je me sens beaucoup mieux. J'avais juste besoin d'un peu de repos. Je suis vraiment désolée de t'avoir surmenée, maison de rêve. Je me suis laissée emporter. J'avoue que... qu'on n'a pas été cool. C'est aussi de ma faute. Je t'en ai trop demandé. On est vraiment désolée, maison de rêve. On a toutes eu une idée différente pour la journée de rêve et on t'a sollicité tout en même temps. Vous me faites rougir. J'accepte vos excuses. Je me disais que tu pourrais peut-être nous aider à organiser une nouvelle fête. Mais cette fois, ce sera un véritable travail d'équipe. Avec toi. Avec grand plaisir, Barbie. Super, mais je veux que tu me promettes une chose. Oui? Dis-le-nous, s'il te plaît, si tu te sens surmenée, d'accord? Et je t'assure qu'on fera attention à ne pas trop t'en demander cette fois-ci.
Oh, merci Barbie. Je promets de vous le dire si c'est le cas. Mettons-nous au travail. Chelsea ne devrait pas tarder. Ok, je pense qu'on devrait... Y'a quelqu'un? Vous êtes là? Y'a personne à la maison? Malibu, où sont les autres? Je croyais que... Je suis désolée, Chelsea. En fait, j'ai gâché ta fête d'anniversaire. Oh. Viens t'asseoir, je vais tout t'expliquer. Journée de rêve? C'est quoi une journée de rêve? Je t'explique. Barbie voulait tellement que tout soit parfait pour ton anniversaire qu'elle en a presque failli faire imploser la maison de rêve. C'est dire à quel point elle tient à toi. C'est comme un anniversaire, mais encore plus spécial. Merci du fond du cœur à toutes. J'adore cette fête. Et merci à toi aussi, maison de rêve. Oh, c'est toujours avec plaisir, Chelsea. Grâce à eux, la maison de rêve peut créer des images de synthèse en 3D plus vraies que nature. Tu étais à deux doigts de l'attraper et tu portes des chaussons de danse. Oh. Oups. Je vais changer de chaussures avant de reprendre la partie. Ça chatouille. C'est trop mignon. Ok. C'est bon, ça suffit. Les petits bisous de chiot sont les meilleures chatouilles du monde. C'est reparti. Je vous adore. Tout était incroyablement parfait. Et je crois que... pour qu'une journée de rêve soit vraiment spéciale, il suffit que je la passe avec vous. Tu sais, Chelsea, je voulais à tout prix que tout soit absolument parfait pour ton anniversaire. Mais aujourd'hui, rien n'a été parfait. Au contraire, tu t'es littéralement gavée de sandwich, tu es tombée en jouant au volet et nos visages ont été recouverts de bave. Et pourtant, c'était génial. Alors, ça veut dire que ce n'est pas si important que tout soit parfait.
Le plus important, c'est la joie qu'on ressent. Les imperfections créent des moments inoubliables, des moments spéciaux. C'est l'heure des cadeaux! Ce n'est pas tout. Bonjour, maison de rêve. Activation des ailes. Et le plus incroyable, c'est que ce sont des vraies ailes. Je peux voler. Seulement à l'intérieur de la maison de rêve. Elle ne fonctionne pas à l'extérieur. Bonjour, maison de rêve. Diminue les lumières, s'il te plaît. Bien sûr, Barbie. Comment je fais pour souffler ces bougies? Serre-toi de tes ailes, Chelsea. Oh, d'accord. Attends. D'abord, il faut chanter. Je connais la chanson d'animation.